In the context of the Associated International Laboratory that we have created with our colleagues from IPBS Toulouse, we have shown that host array lipids generated during infection by the tuberculosis bacillus alter the metabolic activity of macrophages, which results in a decrease in resistance to infection. Responsable de 1,5 million de morts par an, la tuberculose est encore aujourd'hui la maladie infectieuse la plus meurtrière. Les macrophages que vous pouvez voir ici sont la principale cible de la bactérie de la tuberculose. Et on sait depuis très longtemps que la bactérie est capable de reprogrammer le macrophage. On s'est demandé ici si cette reprogrammation était due à une modification de l'état métabolique à l'intérieur du macrophage. Pour essayer de répondre à cette question, nous avons utilisé des effusions pleurales de patients tuberculeux. Ces fluides sont capables de refléter le micro-environnement complexe qui est induit par la tuberculose dans la cavité pulmonaire. Ces fluides peuvent être notamment sécrétés lors de stress chez l'homme, et notamment lors de crises cardiaques, lors de cancers du poumon et aussi lors d'infections pulmonaires comme la tuberculose. Il s'est avéré que la composante active des fluides pleuraux était de nature lipidique. Nous avons donc réalisé l'analyse du contenu en lipides de ces fluides au plateau Métatool lipidomique de Toulouse. Nous avons développé une méthode de quantification de 50 métabolites d'acides gras polyinsaturés. Ce profil est basé sur l'analyse des médiateurs de l'inflammation et de la résolution de l'inflammation qui jouent un rôle clé dans de nombreux processus physiopathologiques et notamment dans le cas des fluides pleuraux de patients tuberculeux. Ce qui appuie aujourd'hui le rôle important de ces messagers chimiques dans les propriétés des fluides pleuraux, c'est que lorsque l'on utilise ces lipides extraits des fluides, nous sommes capables de reproduire l'altération du métabolisme des macrophages observée en utilisant des fluides pleuraux totaux. Ces travaux ont permis de faire avancer de manière importante la compréhension des mécanismes de réponse de l'hôte lors de l'infection par le bacille de la tuberculose. En effet, nous avons montré que les macrophages humains, qui sont normalement dans un état pro-inflammatoire pour lutter contre la bactérie, vont être reprogrammés métaboliquement par des lipides de l'hôte générés lors de la maladie, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer l'activité des macrophages dans leur capacité à combattre la bactérie et à l'éliminer. D'autre part, ces travaux ont ainsi permis d'établir l'utilisation de fluides pleuraux de patients tuberculeux comme un modèle très relevant pour étudier les réponses immunitaires lors de l'infection par la bactérie de la tuberculose. Et en plus, nous pensons maintenant aujourd'hui utiliser des approches similaires pour étudier l'infection par le virus SARS-CoV-2 qui est, comme vous le savez, responsable de la pandémie Covid-19.